zulu toto nzambi wambote wenina. Mwavanga di zulu toto nzambi wambote wenina. Nazali mwasi ya batokati na elanga pesanga respect ekomi na tango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi kosimba ngai te ya namela oh, oh. Non ne me touche pas. Merci, merci, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour dames et messieurs, merci une fois encore ce matin. Pour la confiance renouvelée à l'égard de cette émission, la Voix de l'Époux. Partout où vous êtes, partout la grâce de Dieu vous a retrouvé ce matin, nous disons ensemble avec les prophètes de Dieu Jean Olimbaza, que le Seigneur vous bénisse. Balinga mikat nakolo, biskanso bozali, tolobina tongo le lonzambe ya koka kopambo la bino, bino baeli baku, et pesameli bino, li susuna tongo le lobo katiba pongi, c'est parce que bo portaka beaucoup plus attention, ou ezele ki toko mingi na émission na bino la Voix de l'Époux. Kolonzambe ya pambo la pe akanisa na tongo le bandeko tout baza malade, na bambeto hôpital, baza na ba prison, baza na mikakatano, ndenge na ndenge, tolobi kebomi tungi sa mate, sango na tongo le lo, ezele réponse na kotungi sama na bino. Nzambazo lo kumu na tonga le lutu moni mosali ya nzambe prophète Jean Olimbanza azaka toujours mon bon abino ali dispo lelo pona ko contenir l'exikito ko mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bonjour prophète de Jean Olimbanza. Bonjour pasteur Kadi et mon abande konyonso balinga kayo balinga kemission la voix de peuple balinga ka Mateo Teaka. Que la paix du Seigneur vous soit accordée partout dans le monde. Shalom. Merci, merci. Balinga mikat na kolo, je crois que lelo, tout en émission mi balé, lelo à partir à 6h jusqu'à 6h50, première émission, deuxième émission, toro le kan encore à partir à 20h30 kaka lelo na RTVS 1, la chaîne satellitaire. Donc lelo prophète en Zambe, Jean Olimbanza à l'équipe de makambo moko ya kitoko. Donc père de ngonga mingi te, na liko pesa mbote na ba santo nyoso ya Zambe de Sena loin de ya Palanka, we kambami na docteur Christian kola koka kopambola bino, pe to liko sna le bana na Zambe nyoso bazana mboka Angola na Luanda, retour ya docteur Yanzambe Maurice Gino Mayengele a utaki na Cape Town Afrique du Sud bozane wana na Luanda siazongi to liko pese mbote pe ba santu nyonso ya sapu we kambami na pasteur Josué Kondé kolonzambe akoka kopambola bino prophète Yanzambe Jean Olimbanza na ebite lelo naza komono nzoto penza kolongono memoire zeli penda kitoko koleka lilo banini olengeli pona bana na Nzambe bakoka koyoka sunzambe na zeno na tongwa lelo Exode chapitre 23 verset 1er jusqu'au 2e verset. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. On commence du 1er jusqu'au 2e. Le verset 1er jusqu'au verset 2e. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Mm-hmm. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. 1 Corinthiens chapitre 14, là où nous lisons presque chaque jour. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8 jusqu'au verset 9e. Et si la trompette rend un son confit qui se préparera au combat, verset 9, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Que le Seigneur soit loué, qu'il bénisse tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Merci pour vos réactions, merci pour vos soutiens sur cette émission que vous aimez tant. Oui, tout ce temps, nous expliquons Joël chapitre 2, verset 25, jusqu'au 27e verset. Le Seigneur a promis, il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait Sauterelle, Jelek, Asil, Gaza, la grande armée que j'avais envoyée sur vous. Vous mangerez, vous rassasierez
et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il saura que je suis au milieu de mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après avoir pris trop du temps pour expliquer cette prophétie, nous avons montré cette prophétie par rapport à la maison d'Israël qui attend la restauration et nous disons l'église corps du Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin d'être restaurée parce qu'elle est parfaite. Mais les assemblées locales qui forment cette église-là, c'est-à-dire le corps mystique spirituel de Christ, n'a pas besoin d'être restauré, mais les assemblées locales, comme le Seigneur a parlé, dans l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, dans l'église de Smyrne, ce que j'ai contre toi, dans l'église de Pergame, ce que j'ai contre toi, dans Thyatire, ce que j'ai contre toi. C'est-à-dire, le Seigneur voit encore des imperfections. Voilà pourquoi, à travers cette émission, la voix de l'époux, c'est la voix des sentinelles, c'est la voix qui nous ramène pour comprendre là où Dieu nous a ramassés, et quel est le véritable message au Yeshua qui coupait Sabato nakatia mokili. Toloba qui est confusion ezali ko utana nini parce que pasteur Kadi nazo rappelé ba téléspectateurs ko landa ba question na bango mingi. Je crois émission ya pourquoi et rozala une émission spéciale pour te répondre na ba question. Nazo rappelé na ba téléspectateurs que na pourquoi bozanga te pour répondre à ma question, mais les obotouni. Mais les lots par la grâce du Seigneur les matins, tout cela qui n'a besoin de rappeler l'ibota et en Zambé, ma kamotosuka qui n'a pas l'autre samedi, que ce qui confusion le lieu Zali, et ça faute yabandimete. Confusion où ta partie à 100. Yango frère Paul dit clairement que si les sons ne rend pas. Si la trompette ne rend pas un son clair, comment le peuple se préparera au combat? Nous avons expliqué et nous insistons, tous les mouvements d'Israël étaient conditionnés par le son de la trompette. Et nous disons, le son de la trompette aujourd'hui, c'est le message, c'est la parole. Pasteur Kadi Tozolo Bela, son naba sonner. C'est que ce qui trompette, ils ont clarté. Son, ils ont clarté. Il faut tout l'année la son à malam. Pe te reçoit la santé, il faut tout l'année la moutazo met ta trompette wana. Parce que Zambé na Joël de l'obike, les ans ba soterel, ba jelek, ba zil, ba gazam, les insectes, oh ba yé pour détruire ses manses. Yango moni ser moko, na ben na reser ya église na biso silami tazo et bisamolin dami, bien aimé yaka, pour ba renard ba koti de jana katye langa, pour ba détruire vigne. C'est que l'été en abisso et ça pour moi en Zambé à comment à mesure ya le baloko la silamite à eba qui est renard, qui est sauterelle, qui est jelek, qui est asile, qui est gazam parce que ce sont des faux. Mais bon, et baba ngondengenini, il faut qu'on insiste sur les sons. C'est que ce qui moutazo la émission, il faut l'anda son et puis à souka la santé. Pasteur Kadi, samedi passé, n'a pas quoi. Tolobaki ketang ou Shadrach, Meshach, Abednego, Bayo qui sont, Basuki na santé. Balandi héros. Parce que derrière les sonneurs de trompette, il y avait un héros. Et derrière cet héros, c'était la statue. Et derrière la statue, c'était Nabucodonosor. Donc tu ne peux pas t'arrêter seulement à son. De l'église d'Abiso Balobaki, il faut l'ouka derrière l'ité yawana, nani azoteya. Derrière Motei, Moli Moni Nezo Kamba, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Derrière chaque déclaration, il y a un esprit. Donc, le problème, la mission, c'est que pour confusion, si là, il faut son et à la claire. Nous avons rappelé à nos téléspectateurs que tous les gens qui ont son, n'a pas son air. Nous avons son, mais n'a pourquoi tous les gens qui ont son air. Oh, bazo me la biso confusion. C'est que moi, dans un peu, ça me la malamo. Il faut l'itéez à la malamo. Parce que l'adoration ne peut pas se faire si le son n'est pas clair. Pour ça, la biso est en ligne, dans un peu, longo. Téléspectateur, tu peux te poser des questions. Motologo la yes. Akouta une femme samaritaine. Tala la yes, nzambe. Parce que ça peut question, moi, te répondre en gros, n'a pas quoi. Atei moi si. Moi, c'est à mon nom que moi, ça l'autre, mais à te.
a komiti ko yebisa mwasi ozala ki na mibali mitano oza na esiko ya za ya yote mwasi yebisi na mono za prophète a avancer mais na suka mwasi alinga yeba mais bino boloba ka place ya kosambela c'est que mwasi ozala ki na posa a suka kana matia te mais a landalite ya quel est l'esprit qui est derrière, quelle est l'adoration qui se cache derrière ce message. C'est comme pasteur Mokotango samedi passé, tous les alliance habité Mosakoli, nous avons alliance na Jérémie, nous avons alliance na David. Tous les bas, qu'est-ce qui est derrière ça? Donc nous avons alliance mon na Jawile, asal alliance mon na Kadima, asal alliance mon na Maurice, asal alliance mon na Makombe, asal alliance mon na Salomon, asal alliance mon na Moleka. Alliance en quoi combien? Tu le que les gens ne confondent pas de grâce, de capacité, na alliance. C'est quoi simple chose dans nos mots là? Pour cela, monsieur, c'est que, ben, nous avons besoin de derrière ça. Ben, Luca, quel est l'esprit qui se cache? Le quoi la moto, mon galobi, ben, il y a un médecin, ben, comment on peut pas médecin, ben, il y a un pasteur, il faut pas comment un pasteur. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Donc, confusion côté, c'est parce que le son n'est plus clair. Mais son est la claire parce que le vrai messager baza moukier. Parce que tu as dit écriture totangi, bande lango s'il vous plaît. Exode 23. To bande lango. To bande verset premier. Exode 23. Le verset premier. Tu ne répandras point, tu ne répandras point de faux bruits. Na Israël, moto akoki ko répandre faux bruits. C'est-à-dire quoi? Ko lobeloko moko ya pamba te le faux. Très bien. Parce que pour moto lobeloko, il faut ayoka. Pour moto lobeloko, il faut likambo ezala. Très bien. Yango tozo avertir bana ya Nzambe ke bruit nyonso ezo salama to suka na bruité. Mais nous devons suivre la source. Motivation. Qu'est-ce qui est derrière ça? Donc on a dit que nous sommes multidimensionnels. A quoi ça a le loboy? A quoi ça a le toboy? Mais Bible est comme pourquoi? Parce que frère Paul a le lobby, attends, ange a quitté à Teibino contraire à Obisotolobi qu'il soit anathème. C'est que il y a de faux bruits aujourd'hui. Mais dans Israël, Israël est basé là qui enseignait sur le bruit. Alors nous disons Shadrach, Meshach, Abednego, bafukamela ki statite po, bateya maki sur le faux bruit. Tokita. Tu ne répandras point des faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Verset 10. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Cela veut dire quoi? Moyuda nyonso avalo balikambo, il doit vérifier. Très bien. Il faut témoin Mokwazala, témoin Mibalazala, témoin Misatoazala, Ndialo Balikamboana. Tant on a zolo baba témoin, je veux dire que, yes, a koka yote yate, so que critique soutenir yate. Yango abi, Moïse a lobaki, nga pena lobi. Mozo yoka le lom, mouto la moukika abobonga la moni église dange komi mbanja sous ministre. Mais qui est le témoin? Ça c'était faux bruit. Parce que avant de faire quelque chose, il faudrait que les témoins soient rassemblés. Le message ne peut pas être clair parce que pasteur a dit quand nazo insisté makamba bruit nazo penza na besoin na mema bana ya Nzambe avant de besoin na kati église monter azoteya azoluka qu'est-ce qui est derrière ce message et le connu nazo derrière message parce que tala Eli a sali déjà sacrifice amati a sali sacrifice abomingombe makamonyo sicili asambeli monte kiti lembeka amati likolo yangomba banzi kosambela po mbule beta mais eloko yanosaki mbula c'était le bruit abi le bruit annonce la pluie c'est que derrière ce bruit là il y avait la pluie na acte chapitre 2 avant que le Saint-Esprit descende il y avait un bruit et derrière le bruit là il y avait le Saint-Esprit na Daniel 3 il y avait aussi un bruit. Mais derrière ce bruit-là, c'était la statue de Nabucodonosor. C'est que nous ne pouvons pas
acclamer n'importe quel bruit. Ce qui toque dans nos délais, il y a derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que pour cela, on a pu nous apprendre en Zambie, bah, et bah que Muto Azali, qu'on s'associe à faux bruit l'amène à faire un faux témoignage, à se joindre à la multitude pour violer la justice. Il y a mon frère Paul Azor Babi que Nathan ou Asuka, les gens se donneront la multitude. C'est que Baromipé s'abatte et belé, oh, bah, dans ce pays, ça m'a matoï na bango. Très bien. C'est que quand il y a le faux bruit, il y a le faux témoignage et la justice est violée. Mais quand je parle de bruit, c'est parce que le son de la trompette que Paul insiste, c'est le message qui doit être clair. Parce que je dois retourner plus vite pour expliquer qu'est-ce que j'appelle le bruit par rapport au message. Mon frère Mokazan est paralytique. Aboukana Makolo. Mais ayoki que yé soit quelque part. Yé aboukana Makolo. Mais à koki koko ma place, yé soit na makasi na yé mokote. Ah, nan a besoin. Il y a bato nyonso baza ba fanatique, il y a l'église, il y a batei. Ba comprendre très bien. Que l'homme sur le plan spirituel est paralytique. Il peut avoir l'argent, les moyens, tout consort, mais il est paralytique sur le plan spirituel. Il ne peut pas arriver vers Dieu par ses propres efforts, par sa propre force, par sa propre philosophie. Mais il faudrait qu'il y ait un message. Le texte dit ceci. Dans Marc chapitre 2, pasteur Kadi, écriture le bique, il y avait quatre personnes ba mema qui paralytique wala. Ba yena eti ba kuti ke porte. Il y en a qu'ils ont occupé. Il y avait la foule. Moi ba kote ça la quitter. Il faut que bazala na capacité à redécouvrir une autre porte. Exactement, Moïse avait raison de dire, si tu bâtis une maison neuve, tu mettras la balustrade. Pour Aéba Kike, s'il n'y a pas la balustrade sur le toit, les gens vont tomber. Mais cette maison neuve, oh, que c'est une ancienne maison, parce que j'ai dit, Moïse aussi était serviteur, mais cette maison-là était ancienne. Jésus-Christ, lui n'est pas seulement serviteur, il est le fils, le propriétaire d'une maison neuve. Et cette maison neuve, c'est la grâce aujourd'hui. Ba matina mutuana awa nazana besoin église bana yanzambe tout celui qui me suivent et dans ma serviteur ba comprendre rôle ya évangile parce que le son ne peut pas être clair ce que memi ba tout vers Jésus-Christ. L'homme est vendu au péché. L'homme n'a pas la capacité ya repousse ça n'est pas yanzambe mais il faudrait que le message et pesa mutu makoki ya koko me pa ya nzambe. Mais oyebinde bazote ya lelo bato pasteur Kadi. Mate zo bang sa bato ba demo. Si konga la tunaka o changer le pango po bandoki baleki. O changer lobi po bandoki baleki. Si ko yoki maka bandoki. Bandoki ba ki mo kolone. Voilà. Donc ozaka ka lelo te en tout cas et puis mutu ala zo ka matea. Mateya zo bangi seka bandoki. Mateya zo bangi sa. C'est que Mateya, ezala makoki ya komema batu te vers Jésus-Christ. Yango na lobi ke, le gens tatonne. Mouta zo sambe la main. C'est que ndoki, pona eza partout. Pourquoi le kandoki? Nyawa le kandoki. Ata so soak ndoki. C'est que le message n'est pas clair. Message est bangi si batu. Mais moi j'ai vu Dieu. Il dit que Moïse, j'ai attendu, je vis, je suis descendu, je t'envoie vers Pharaon. Ce message, c'était le message d'espoir. Ata Israël, asala qui n'a ma coquille à Robimanaka, tu as servitude. Mais le message, il faut qu'on ne m'attire pas à Pharaon. Et puis, même Ata Israël, à mon Jeannès, j'embrasse. Ata mon Pharaon, mais il faut dire que la verge de Moïse, la verge d'Aaron, est capable de nous délivrer. Ils pouvaient sortir la tête haute parce qu'ils ont compris les messages. Mais quel message aujourd'hui? Quel évangile aujourd'hui? Où est bangi si ba? Tu sais que moutoute, moutou azandok, akimi elelo. Lobibo, siko, ndoki aoki ma okan. Parce que si moi j'ai un Dieu qui a l'esprit supérieur, ndoki, mais finalement, ce qui sorcier mon azan à gauche, droite, yepe fa kimat. Ngara anakimaka.
C'est-à-dire que le message n'est pas clair. Le son n'est pas clair. Ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre pour sauver, donner l'assurance, les gens ont perdu ça. Donc, ma tête est à clarté. Raison pour laquelle, frère Oyo, paralytique, a coca quitté, coco ma place hier soir, parce que la porte était barricadée, fermée. Il y avait la foule, la multitude, pendant le barraque, les écritures de l'ancienne alliance, la loi, les prophètes et les puissants. Et c'est là qu'il y a déjà obstacle pour la bisobicolo. Toko ma place hier soir, toko ta porte, te. Il y a une femme, syrophénicienne, tangaya quoi ta porte à côté foule. C'est que la loi l'empêchait. Mais il faut que l'évangile ait transporté moto là où il y a Jésus. Mais si cet évangile est même moto vers Jésus, l'homme n'a pas reçu le pardon des péchés. Tant que salami. Tant que quatre personnes, pour battre quatre. Explication à quatre en rompé, il y a une alors que l'évangile, ceux qui ont un chiffre 4, ils ont appris la que 4 les prennent dans la makouki, il y a encore dans la première maison, dans la deuxième maison, puis balobi aujourd'hui c'est la bonne nouvelle. C'est que nous avons un chiffre 4 pour délivrer, pour sauver. Ce que nous avons fait, il y a une nappe aux pierres à Mona qui a 4 côtés, il y a une porte qui a été, mais une porte qui a été. Parce qu'il fallait une porte, il y a une nappe, Mobeko. Entouré et quand même Mzamba la kaka fond la porte monsieur dans l'écolo il y a un Pierre à mon ami Banyama bazo contre la porte te me ba outa l'écolo exactement il faut évangile et longola mutu na mabele et me maitala mutuana alali azoko ke lokote tant évangile memie qui tissier vers Jésus il a fait l'expérience avec Jésus tous en batbele lo sali 20 ans d'église a ça une expérience na Jésus le roi mutuana sala 18 ans Nakacha synagogue, ce n'est pas de la choriste, ce n'est pas de la ancien, ce n'est pas de la nani, mais elle a toujours infirme, mais Nakacha église. C'est que Moutaro qui est dans Poto, infirme, Moutaro qui est dans Paris, infirme, Moutaro qui est dans États-Unis, infirme, parce qu'il n'a pas rencontré Jésus-Christ. Il y a un peu de tout le monde, ce qui est évangile, il y a un peu de Jésus-Christ, et il y a un peu de tout en Europe, et il y a un peu de tout en conflit. Batou, baropengwa, parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire. Moutona ba kitisi vers Jésus. Jésus a tala lobi masumu na elimbisami. C'est-à-dire, l'homme, la première des choses, il a besoin de recevoir le pardon du péché. Il a besoin de faire l'expérience, mais de lui-même, a rokokate. Awa, tout prédicateur a la responsabilité. Il y a que comprendre que nous avons passé sur l'évangile. Pour tout le monde, il y a vers lui. Et Dieu était clair pour dire, « Je suis en Égypte vers moi-même. » Non, et pas à mon tour. C'est que le son, l'évangile, le message, doit amener les gens à rencontrer Jésus-Christ. Et à expérimenter le pardon du péché. Il y a une condamnation. Quel est ce message qui ne pardonne pas le péché? Moutazo Sambela, mais il est resté toujours esclave du péché. Faux bruit. Et si le bruit n'est pas bon, c'est un faux bruit. Et c'est ce qui a fait que les gens puissent violer la justice. Donc nous avons de faux témoins autour de la bangona pourquoi. Quelqu'un qui parle, Makambo a yébité, a monanté. Et c'est ce qui a fait que les gens vivent aujourd'hui dans la confusion. Quand les gens errent, pasteur qui a dit, tu sais, il y a un Esaïe 8. Tu comprends, il faut brûler un Esaïe 8. Esaïe chapitre 8. Verset 20. Jusqu'au 21. Esaïe chapitre 8, le verset 20 jusqu'au verset 21. À la loi et au témoignage, hein? Si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura point d'or pour le peuple. Hein? Descendez. Il sera errant dans le pays, hein? Accablé et affamé. Hein? Et quand il aura faim, hein? Il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Le peuple est errant, pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé à la loi et au témoignage. Mikolo Nyonsoyo, tozan aposa to ebisabana yanzambeke. Pour confuser l'ongwa, il faut message ekenda à la loi et au témoignage. Frère, moi, tu n'as pas de question. N'a pas de exemple, moi, moi. Bozoloba Yesu. Ye wananda zanzambe. Metanga bimaki na Jourdain. Vwe bimaki likolo o mwana na ngaya bolingo.
elingi kolobani omoni moto atangi kaka mati moyazo apole ezate atika na confusion po pasteur azana makokite amona ke eloko ya Mathieu uti na matete banda deja kuna c'est que soki bato bateyami boete so ero la clarté bazalo ko la frère alongwa ki na Ethiopia ke na Jérusalem ko adorer mais makambazo tanga ayebi na yango te makambazo tanga ayebite mais akeyi pa sali adoration makambonyo Cécile mais ayebi le romoko te c'est ko il faut frère to sunga to bisaye ke makambozo mola na Matthieu 3 na Nehemi de Jezalaki que Dieu descendit sur la montagne, mais il leur parla du haut des cieux. C'est que Nzambe a quitté qui na ngomba ya Sinaï, mais mon ngongo le bande ko bima likolo. Et il y a un pourquoi. C'est que ceux qui batou baté a mi boete, ba roza la confusion. Moutou ya sunga biso tote ya ma ala loi au témoignage pour confusion longwa. Au moins même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tango yoki. Totangango, pasteur Kati. Matthieu chapitre 11. Rapidement pour topé sa moi, exemple moqué pour que les gens nous comprennent. Matthieu chapitre 11, banda verset 2. Rapidement. Matthieu chapitre 11, le verset 2e. Et nous descendons. Jean ayant entendu parler dans sa prison les œuvres de Christ, lui fit dire par ce disciple, verset 3, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? S'il vous plaît. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ. Le premier lendemain, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Deuxième lendemain, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ deux fois. Et il y a un pourquoi. Parce que l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde, c'était à la croix. L'agneau de Dieu, c'était la prédication de la Pentecôte. Parce que quand Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, Moutoualanda était. Mais quand il est devenu la prédication, donc Jean-Baptiste était en train de voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Moutoualanda était. Parce que là, il doit ôter les péchés. Mais le deuxième lendemain, il a dit voici l'agneau de Dieu Balandi. Des disciples Balandi Batouni, maître, où demeures-tu? C'est-à-dire que, ah, comme il est en église, il faut tout compter. Parce que le troisième lendemain, Nathanaël va revenir à l'ongwa sous le figuier. Ça, c'est la maison d'Israël qui retourne. Et trois jours après, festin de noces. Mais Jean-Baptiste a présenté déjà Jésus-Christ. Mais tant qu'il y a qui misala na yezo salama, à tout nienin. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Pourquoi Jean-Baptiste pose cette question? Il a une écriture. C'est que confusion qu'on a longuaté sur Ikaka, Jean-Baptiste a taillé moutoate Jésus, a présenté, mais à mon avis, c'est le miracle, c'est le miracle, ce qui a bien été. A bien ce que Zaye moutoako ya toto zela moussousou. C'est que ce qui moutoa sur Ikaka, a louki mobe côté, a osala katia confusion. Donc, au moni, moutazote ya, mais il faut louka makambo azote azu ya mouapi. Parce que, nazo rappelé que makambo anzambe bandi na bisote. Très bien. C'est que les prophètes ont travaillé. Alors, ceux qui sont à clarté, c'est parce que les gens n'ont pas voulu connaître comme Jean-Baptiste. Verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Ah, et ça, il y a un autre.